Ça ne va pas du tout. On n'a aucune envie de retourner dans cette atroce fosse océanique, hein, Chichi? C'est pas du tout le temps que tu prends. À t'écouter, on dirait que tout est toujours de ma faute. Si tu n'as pas confiance en moi, c'est toi qui es coupable de ne pas avoir utilisé une grande sœur qui se respecte m'aurait soutenue au lieu de me critiquer. Je n'ai pas besoin de toi. Je vais te laisser tranquille, comme ça je ne t'embêterai plus. Après tout, je peux capturer les princesses sirènes toutes seules. C'est rien du tout, une petite égratignure. Viens, allez, il faut qu'on discute. Oh mais Ulrich, tout ça c'est à cause de Sissi. Ulrich, t'es avec nous, oui ou non? Je sais que t'es malheureux, mais y a pas de raison. Notre amitié est plus forte que ça, non? C'est pas les combats de Sissi qui peuvent la briser. Hein? Tu crois pas? Allez, faut te secouer, on a besoin de toi. Désolée, Cody, mais on vient de passer la nuit à chercher des chats perdus et à réprimander des gens qui salissaient la voie publique. Maintenant, c'est tout un immeuble. Ma famille, ça c'est sûr. J'arrive pas à croire que papa nous ait laissé tomber comme ça. Papa... La vallée fleurie, tu dis? Non, mais je ne comprends pas, papa. Merci, mais je vais me contenter de la radio. Je ne peux plus regarder ces vilaines créatures. Leur vie m'est insupportable. Si laid, c'est intolérable. C'est un cauchemar. Un cauchemar du point de vue esthétique. Assez, ça suffit comme ça. Je suppose que tu as raison. Mais ça ne me dérange pas vraiment. Les trois béquilles sont les filles les plus populaires de l'école. Alors, ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais eu beaucoup d'amis. Et je sais que les amis sont censés se rendre des services. Alors en suivant le principe d'association, je me dis que si je leur rends des services, elles m'accepteront dans leur groupe et je serai amie avec les trois béquilles. Ou peut-être que je suis juste trop gentille. C'était Géraldine.